tous, aujourd'hui nous allons parler d'un truc qui me donne personnellement envie de nettoyer rien qu'en y pensant, je veux parler de la poussière. La poussière est constituée de fibres et de débris très fins qui sont assez légers pour flotter dans l'air. La composition de la poussière évolue avec les époques et l'environnement, et elle est composée aujourd'hui d'un bon nombre de polluants et de déchets. Pour les milieux extérieurs, elle peut provenir de l'érosion du sol, des tempêtes de sable, des volcans, des cheminées, des pots d'échappement, etc., etc. Pour les milieux intérieurs, comme les habitations ou les usines par exemple, elle est composée généralement de fibres, de moisissures, de poils, de particules de peau et plein d'autres choses assez dégoûtantes. Et oui, quand vous essuyez la poussière de votre meuble, vous enlevez aussi un peu de vous en quelque sorte. C'est dégueulasse, oui. La poussière est naturellement présente dans l'atmosphère terrestre, mais elle est également présente dans l'espace et est déjà étudiée sur quelques planètes et leurs satellites, comme la Lune. La poussière qui flotte dans notre atmosphère est transportée et déplacée par des flux d'air. Les courants d'air, les turbulences provoquées par les mouvements des objets, ou encore les animaux ou les personnes. Sachez que plus l'air est sec, plus il y aura de poussière dans l'air. Elle peut poser de graves problèmes pour la santé des humains, des animaux et des plantes, mais aussi pour le fonctionnement des machines. Des microbes et les acariens sont présents et parfois abondants dans les poussières, et les allergies qui les engendrent sont de plus en plus fréquentes. Dans les conditions courantes, l'eau gèle à 0 degré Celsius. Ce phénomène est lié à la présence de poussière. En conditions stériles, c'est-à-dire sans poussière, l'eau ne gèle pas. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardé. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !